misanthropie. Mon Dieu, rendez-moi des champs qui ne soient pas Élysée, des bois qui ne soient pas de Boulogne, des prés qui ne soient pas catalans. J'entends souvent des gens se plaindre d'avoir la vue basse, mais j'en n'ai jamais entendu se plaindre d'avoir l'âme placée au même niveau. Pourtant, il doit en exister. Il est vrai que la bourse a l'air d'un temple grec, mais cette forme est très rationnelle. Si nous n'avions pas nos temples, au diable mettrions-nous nos grecs, et même nos juifs, par-dessus le marché. Un écrivailleur qui passe sa vie à attaquer les gens qui meurent, priait quelqu'un d'écrire deux lignes sur un album. Voici les deux lignes. Ce ne sont pas ceux qui s'en vont qui sont à craindre. Ce sont ceux qui restent. Je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien ». C'est une femme qui se noie. Au contraire, je me dis « tiens, tiens, cela en fait toujours une de moins ». Une espèce de chanson à laquelle, s'il y avait eu des paroles, il n'aurait plus manqué qu'un air. Et puis un monsieur nous a lu un tas de petits vers très soporifiques qu'il avait organisés par la circonstance. Jadis, les esprits littéraires avaient le culte des filles de mémoire. Les beaux esprits d'aujourd'hui préfèrent les mémoires des filles. Il n'y a que deux manières de gouverner les peuples. On ne les mène que par la force ou par la farce. Toujours les femmes et les montres. Plus elles sont plates, plus elles coûtent cher. Il en est de certains hommes comme de ces gros nuages qui traversent l'air par un temps lourd et orageux. Tout le monde est oppressé. Ils crèvent. Tout le monde respire. Ah, si j'avais pu prévoir comment vous seriez, disait-elle en pleurant son troisième époux, je vous assure bien que je ne serais pas veuve à l'heure qu'il est. L'enfant eut, en venant au monde, une crise qui faillit le sauver de vivre. Par malheur pour lui, le docteur était réellement habile et le sauva d'être sauvé. Une femme laide qui fait la bégueule, c'est comme une porte de prison sur laquelle on lirait. Le public n'entre pas ici. Pardon, mon pauvre enfant, de t'avoir mis au monde. Comme toutes les calomnies, l'amour est du succès. La médecine est un art qui fait vivre beaucoup de médecins, vivoter beaucoup de croque-morts et mourir beaucoup de malades. Une société où il y a du monde, c'est ainsi que peut désigner une réunion quelconque où se trouvent des indifférents et des ennuyeux. Et lorsqu'on est entremis seulement, lorsqu'une société où il n'y a personne, quand on pense que les gens qui possèdent des dettes n'auraient qu'à les payer pour s'enrichir, on est étonné de trouver un si grand nombre d'âmes désintéressées. On ne me fera jamais croire que les personnes qui ont sous la main moyen si simple de faire fortune préfèrent rester dans la misère uniquement par leur plaisir. Certes, c'est la position la plus humiliante pour un mort que d'être le premier mari d'une femme. Mais je n'en sais guère de plus triste pour un vivant que d'en être le second. À propos, et monsieur un tel. Mais il est mort. Comment, encore? Madame, c'est la première fois. Le 1er mai 1840, époque à laquelle je pouvais encore espérer ne jamais venir au monde.